et à Zurich, Leipzig, Oslo, à Paris, au Berlin, les assistants. Oui, par le fait chef du gouvernement, c'est le caractère situé dans l'entre de la droite et l'impression en valeur sur le rang postal qui permet du nord et de l'Allemagne. Les yeux de la France et la boutique très haute, couleur de terre. Excellent. Source des permanentes, couleur de l'air. Oui. L'envers, violence, responsable, agitation en cité, couleur de terre. Pas de position en Belgique. Suivre l'angle costaud en vert, déjà baissé en bas sur la présence des organes du chloroestère, l'homme de la C'est simple, hein, on va voir dans le thème déjà, c'est juste pour rappeler le cours. C'est la spécificité de chaque type de cadeau, les propriétés et les caractéristiques de chaque type de cadeau. D'accord ? Tu as un patient de 55 ans qui se présente dans un tableau de sensibilité droite plus température. C'est un tableau de pluriphylique. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander? Il y a un bilan radiologique et un bilan biologique. Commençons par le bilan biologique. Qu'est-ce qu'on demande? Le bilan biologique, il y a des divisions de bilan, deux types de bilan. Enfin, le bilan inflammatoire et le bilan bactériologique, infectieux. Le bilan inflammatoire choisi. NFS-CRP, ça c'est obligatoire. C'est le bilan inflammatoire. NFS-CRP, pour savoir le degré de l'inflammation. Et le bilan infectieux choisi. C'est de hémoculture, bien sûr. Il y a peut-être encore un peu de les deux, c'est de plus hémoculture. On craint les scepticismes, c'est grave. D'accord? Mais donc, des examens complémentaires, inflammatoires et infectieux. Hein? Vous avez au bilan radiologique, qu'est-ce que vous demandez pour le bilan radiologique? On peut commencer par le plus simple. Ah, tu as deux choix. Tu demandes le couple. Ah, brûlation en préparation plus photographie. D'accord? C'est juste. 3-4, c'est juste. Ou, tu peux scanner à blanc. D'accord? Tu as deux alternatives, tout ça. Échographie plus arbre immersion de préparation ou scanner d'emblée, tout ça. Moi je m'en rappelle, moi je scanner écho et ISP. Soit un scanner, tu as un scanner, soit tu n'as pas de scanner. Trois scanners, tu as une note de terre. Trois écho, tu as un nerf, ça te rejette une note. Trois ISP plus écho, tu as une note de terre. D'accord? Voilà. Un des scanners de l'hôpital, donc le patient a mal. Échographie. Échographie à rentrée, comme elle a l'air. Échographie à rentrée, à moi, à quoi c'est la télé de l'échographie. Donc, le patient, alors maintenant, l'échographie, on a trouvé une dilatation rénale avec le contenu échogène. Le contenu échogène, maintenant, le liquide n'est pas transsonore, il y a du bulle à l'intérieur. Donc, c'est une pulmonologie qui est assez avancée. Au plus que c'est obstructif, bah, c'est dilaté, donc c'est une pulmonologie obstructive. Ce n'est pas une pulmonologie médicale. Une pulmonologie médicale, tu ne trouves pas une discrète, il a une bonne visibilité des cavités. Tu ne trouves pas une dilatation. Là, il y a une dilatation. Même si l'ASP, on ne trouve pas le calcul, marqué jamais l'ASP. Il a une urgence de drainage parce que la CRP est très élevée, le contenu est péricogène, la température est très élevée. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hospitaliser le patient, antibiothérapie. Ah ouais, Hajj. Une double antibiothérapie, je m'attire au généralement. Claforan, Janta, Manalci, Cephalosporine 3ème génération, aminosine, association, ou quinolone. Les deux mains qu'on donne généralement. Les aminosines après vérification de la fonction rénale, bien sûr. Donc, un des les trois familles, donc on peut associer l'unité. D'accord? Il faut perfuser le patient, même s'il est en obstruction, parce qu'on craint la septicémie. Tard que la septicémie, elle donne une vasoplégie, donc il sera en hypovolémie, et ça peut donner le premier signe, c'est la tachycardie. Donc il faut bien remplir le patient pour aider le corps à pomper. Donc il faut un remplissage, une réanimation, et à la fin,
Le drainage. Drainage. Quand au cours du drainage, tu vois, il y a deux types de drainage, soit une nephrostomie, soit une montée de sang. Ça peut saigner. Le pus, quand il se mélange avec le sang, ça donne une septicémie, une charge septique un peu importante. Il va frissonner, il aura une vasoplégie. Les toxines bactériennes vont paralyser les parois des vasculaires. Donc, il aura une hypovolémie secondaire relative, donc il faut remplir le patient pour lutter contre ce choc septique. D'accord. Donc, le drainage peut se faire par deux moyens. Soit un drainage interne. Drainage interne, radio par l'urètre, la vessie, le BA, radio liquide dans le bras, et sur ce guide, on passe une sonde double J et à la fin d'une double guide. Donc, on a la sonde double J entre le pied lent et la vessie. Elle va ramener directement, elle va court-circuiter le calcul et elle va ramener directement le pus qui se trouve dans les cavités extrises dans la vessie. D'accord ? Ou un deuxième drainage externe par une sonde de néphrostomie. D'accord ? Néphrostomie. Le lanet. La montée de sang double J. Toi, t'as gradué ton urologie, ou alors ton sang double J, Non. Je trouve que j'ai senti. C'est obligatoire, c'est ça que je veux dire. Le sang double J est assez fort. Une partie tombe dans le pied lent. Par exemple, l'aide et le calcul. Elle est indispensable pour connaître l'éthiologie. On n'a pas besoin de connaître l'éthiologie, que, sauf pour dans quelques situations. Pour l'élithiase bilatérale, l'élithiase récidivante ou l'élithiase de l'enfant. Dans ce cas, on a besoin de connaître l'éthiologie pour traiter. Dans quoi on cherche la nature ? Ce sont des facteurs protecteurs. Donc. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui provoquent le mystère infectieux ? L'infection générale est chargée au dominant, calcul probablement oui, pH interne persistant oui, l'infection régulière en protéines oui, calcul pour soi en micro-organisateur oui. Oui, c'est facile.
Donc, un calcul de l'ortère, dans l'ortère, il peut dilater, dilatation des cavités. Il peut donner, avec quelques calculs nutritifs, donc il dilate l'ortère, le pied lent, les cavités. Il peut donner une anurie lithiasique s'il s'agit d'un rein unique, ou elle n'a pas de malchance, il a fait basculer en même temps deux lithiases dans l'urtère, de chaque côté. Donc il fait dilater les deux reins, il va avoir une anurie obstructive. Ou elle a une rupture de la voie excertis. Parfois, les voies sont mises sous tension et ça peut éclater. Oui, il possède Klebsiella, oui. Sauf que le chien Chicoli ne possède pas de protéase. Protéase transforme l'urée en ammoniaque. L'ammoniaque, c'est une matrice très importante sur laquelle va s'associer le phosphate et le magnésium pour donner le calcul coralliforme, phosphoammoniaco-magnésien. C'est le cas, oui. Ramadan, Mbad Ramadan, forte chaleur, c'est la saison des crises de colique néphrétique. Un calcul urétral peut se compliquer par une pyélonéphrite médicale, rétention d'urine infectée en amont du calcul, comme on a vu tout à l'heure. Il peut se compliquer par une pyélonéphrose. L'infection va toucher le parenchyme, tochrej mel cavité. Imaginez notre patient, on ne l'a pas traité à temps, Bekri, filka clinique, on n'a pas drainé. On ne l'a pas mis sous antibiotiques, on ne l'a pas réanimé. L'infection, plutôt, elle est parenchymateuse dans le parenchyme rénal. Et puis, il va évoluer vers la pyonéphrose. La pyonéphrose, c'est la destruction infectieuse du parenchyme. Et à la fin, elle va évoluer vers où elle va donner un flegmant périnéphrétique. C'est l'équivalent d'un abcès débutant. Oui, c'est vrai, hein, à cause de l'œstrogène. Le diagnostic de la diabète se passe sur le diabète. Non, c'est contre-indiqué. Oui, bon, mais les calculs, le taux d'élimination spontanée, il est supérieur à 50%, alors entre 70 et 80 chez une femme non enceinte. Mais à cause de cette hypotonie, là, il y a diminution de péristaltisme qui pousse au niveau de l'urtère, qui pousse les calculs, donc l'élimination, elle chute à 50%. Elle est à 50%. Oh, un normal, elle est à 70-80. D'accord ? D'accord, oui. La lithotrichie, c'est encore pour elle, l'aigle maintenant. Elle est contre-indiquée. Quelles sont les contre-indications de l'allait? L'infection. Quelles sont les obstructions? L'obstruction, c'est les uropathies malformatives obstructives. Par exemple, quelqu'un a le syndrome de la jonction, anomalie de la jonction, ou elle a un grand méga-urtère, a une anomalie obstructive. Tu n'as pas le droit de faire de la litho parce que même si on fragmente le calcul, tu ne seras pas éliminé. Donc c'est une contre-indication, Chnoël. Les troubles de l'hémostase, quelques sinon, une hypertension artérielle maligne, l'anévrisme de l'aorte ou de l'artère rénale, certains types de pacemaker. Pacemaker. Les femmes ont certains pacemakers qui ne supportent pas les ondes. Moi je colle de la nouvelle génération, mais ça ne pose pas de problème. Certains problèmes. Oui. C'est pas une urgence, si colique néphrétique chez une femme enceinte, on a 50% d'élimination, on attend.
sauf si elle, ça devient fébrile ou elle a une grippe ou un autre des complications. Donc je crois que la première question qu'on doit poser. La première question, c'est la nature. Donc elle peut expliquer la nature. Il n'y aura que transparent. Donc quel que soit son siège, ce qu'elle nous a à sa taille, c'est l'organisation des esprits. Oui. Combien de temps pour avoir séché? Généralement 6 semaines. Il m'a 6 semaines, pas d'élimination, pas de fragmentation, pas de déchets. Contre-indiqué, cause de l'insuffisance rénale. Faire la lithotripsie extraport pour elle, non, c'est une urgence. Non, elle est contre-indiquée. Il faut monter une sonde urétérale de drainage en urgence. D'accord ? J'ai l'intervention de l'idéalisation en redoute. Une perte sodée importante, c'est le syndrome de l'obstacle dont on a parlé tout à l'heure. Il était en retention, il était en anémie avec insuffisance rénale obstructive. C'est la même chose avec la dénorme de la prostate. Sauf que pour la dénorme de la prostate, c'est brabémateur. Pour la dénorme de la prostate, c'est une distension urinaire. Ça veut dire c'est un obstacle infravésical. La vessie est vide, c'est une retention vésicale. Pas une retention vésicale de l'anémie, non. Si la vessie est vide, au cours de l'anurie, on met une sonde vésicale et on ne trouve pas d'urine parce que l'obstacle est supra-vésical. Quand je vois encore les internes, ils te présentent une retention comme anurie. Pour lui, c'est la même chose. Donc l'anurie doit être la retention. Retention, c'est un obstacle infra-vésical. Tu peux le résoudre par un simple sondage sans vésical. Alors que l'anurie est un obstacle supra-vésical. La sonde vésicale ne fait rien. Il faut augmenter une sonde. D'accord ? C'est toi ? Non. Au contraire, ça va aggraver parce que c'est des calculs qui poussent au milieu alcalin. Si tu alcalinises, tu vas faire augmenter la taille du calcul. Oui. Oui. C'est la lithotripsie corporelle sous couvert d'une sonde urétérale. Parce que c'est un raéoli. Raéoli, normalement on fait la lèvre. Mais plus que c'est un raéoli, les fragments qu'elle chiappe, ça peut provoquer une anurie. Donc, pour le protéger contre cette anurie, on doit faire la litho sous couvert d'une sonde urétérale. Pas dans la sonde urétérale, pas dans la litho. La barche, 70%. Parce que c'est tout au siège confondu. Pour les caliciels, c'est le taux est faible. Allez. Les coliques néphritiques droites vont lui groupe depuis 3 jours. L'échographie a montré une dilatation du double calcium urinal droite. Il n'y a pas d'urgence, il n'est pas infecté, il n'est pas fébrile. Donc, l'antidote des traitements antalgiques, on a le droit de donner des antispasmodiques parce que les anti-inflammatoires non stérilants sont contre-indiqués. D'accord ? Donc, traitement antalgique plus antispasmodique, et on attend 6 semaines. Si, et
la fièvre. Là, il faut traîner. Mais j'ai la femme enceinte. Non, maintenant, je suis là. J'ai la femme enceinte. J'ai la femme enceinte. Tu ne peux donner que tu n'as pas le choix. Alors que faire un lab, tu peux donner anti-inflammatoirement ce que je viens. Même s'il fait une rhétorique, on s'en fout. On va soulager. D'accord ? Quelle est la chance pour éliminer ? C'est 50% max, 70%. Vous avez examiné un patient aux urgences pour des comités de critique de droite. Quelles sont les situations difficiles d'hospitalisation en urgence au lieu de rechute ? Une anémie, oui. Patulum microscopique vivant, pied à la trompe de puits, expulsion du patulum, sidérisation musicale, non. Non. Donc c'est d'urgence seulement.